Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu, la sagesse éternelle de Dieu, le sauveur du genre humain, le rédempteur du genre humain. Alors, nous achevons à travers cette vidéo la série de vidéos sur la spiritualité des lettres de l'alphabet hébreu. Alors, la dernière lettre, c'est la 22e lettre, qui s'écrit Tav. Ça s'écrit Tav, T-A-V, mais moi, je préfère lire ça Tau. Alors, c'est un hiéroglyphe qui représente la croix. Je répète, c'est un hiéroglyphe qui représente la croix. Dans quelle spiritualité, dans quelle religion on parle de croix? C'est dans la révélation de Jésus-Christ. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Avant même d'être crucifié, déjà il parlait de la croix. Renoncer, porter sa croix pour le suivre. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Donc, vous voyez l'importance de la croix. Et c'est la dernière lettre. Donc, c'est-à-dire que c'est l'oméga. Parce que la première lettre, l'alpha, c'est Aleph. La 22e lettre, c'est Tav. Que moi, je lis Tau. Je préfère ça, dire ça comme ça. C'est l'oméga. Si le Père est l'alpha, eh bien, Jésus-Christ est l'oméga. C'est par lui que la révélation s'achève. Voilà. Ce que les prophètes ont révélé à demi-mot, parce qu'ils n'avaient pas la plénitude de la révélation, c'est Jésus-Christ qui vient faire la plénitude de la révélation. Voilà. Parce que vous remarquerez que tout l'Ancien Testament, Dieu dit à ceux qui l'envoient, va, je suis avec toi, va, je suis avec toi. Mais avec Jésus, c'est plus comme ça. Il dit, celui qui croit en moi demeure en moi, moi je demeure en lui. Voilà. C'est ça. Je vis en ceux qui croient en moi. Et ceux qui croient en moi vivent en moi, dit le Christ. C'est cela. Mais que veut dire cette lettre-là encore? Ce hiéroglyphe représente quoi encore? Ça représente la croix, comme je l'ai dit. Mais aussi, ça renvoie à la marque, au signe. Ça renvoie à la marque. Et au signe. C'est important. Qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit, ne me fatiguez pas. Je porte dans ma chair les marques du Seigneur Jésus-Christ. Je porte dans ma chair les marques du Seigneur Jésus-Christ. Ces marques-là, c'est quoi? Ce sont ses plaies. Du fait de sa crucifixion, parce que même quand il est ressuscité, d'entre les morts, il a gardé ces marques-là. C'est pour ça qu'il a dit, Thomas, viens ici, mets ton doigt là, regarde mes marques, regarde mes marques, regarde mes mains, mets ton doigt dans mon côté, pour que tu vois les marques qui sont dans ma chair. Alors, qu'est-ce que Thomas a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Alors, il a reconnu la divinité de Jésus-Christ. Voilà. Et Dieu, dans sa grâce, fait en sorte que des disciples de Jésus-Christ, ceux qui croient en lui, reçoivent même dans leur chair ces marques-là. Je vais vous rappeler, ou bien vous me rappelez d'ici 15 minutes. Hein. Donc, les marques dans sa chair. C'est cela. Saint François d'Assise, qui a été diacre, n'a pas voulu se faire ordonner prêtre. Hein? Pour ne pas. C'est par humilité qu'il a dit cela. Hein? C'est lui qui a été à l'origine de l'ordre des franciscains. Il avait les marques de Jésus-Christ. Il a eu les stigmates. Plus près de nous, Saint Padre Pio a eu les marques, les stigmates de Jésus-Christ. Donc vous voyez. L'importance alors de la spiritualité qui est derrière les lettres de
l'alphabet hébreu. Parce que quelquefois, ceux qui ne comprennent pas vont dire, oh, mais le frère Jean de l'amour de Jésus, professeur Aloukoumé René, il nous entraîne dans des choses compliquées. Mais voilà que ça nous permet de comprendre notre foi en Jésus-Christ, la marque. Et puis aussi, c'est le signe. Ça renvoie aussi au signe. Voilà. Qu'est-ce qu'il est dit dans l'Apocalypse? On dit ceux qui sont sauvés par le Christ, ils auront sur le front le signe. Le signe. Le signe là, c'est quoi? C'est la croix encore. C'est la croix. Mais qui met ce signe sur nous? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui met ce signe sur nous. Hein? Et quand nous allons commencer toute célébration, qu'est-ce que nous disons, nous les catholiques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Nous nous marquons, donc nous signons. Hein? Nous signons sur notre corps avec la croix. La croix, c'est la signature du Dieu vivant. Hein? C'est le signe que met sur chacun des disciples de Jésus-Christ le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est important. Et alors, on dit que la lettre Tav ou Tao, comme j'aime le dire, ça renvoie à l'absolu. À l'absolu. À ce qui est absolu. Mais qu'est-ce qui est absolu? C'est la divinité qui est absolue. Sinon, à part la divinité qui est absolue, toute la création est éphémère. Toute la création est éphémère. Toute la création est éphémère. Si dans la création, il y a des gens qui bénéficient de la vie éternelle, mais c'est à cause du Créateur. C'est le Créateur qui a voulu cela, qui leur communique un de ses attributs, l'éternel. On dit Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu. La parole éternelle de Dieu. C'est cela. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? L'intelligence infinie de Dieu. Donc, vous voyez. Donc, c'est cela. L'absolu. Et c'est, comme il est dit ici, par le souffle du Shin, c'est-à-dire de la 21e lettre, que vraiment toute cette perfection alors naît en l'homme. Parce que ça renvoie aussi à la perfection de l'homme. C'est l'homme qui parvient à la perfection. Cette lettre aussi symbolise l'homme qui parvient à la perfection. Celui qui parvient à la perfection, qu'est-ce qu'il peut dire? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Jésus-Christ et moi, nous sommes un. Comme Jésus-Christ a dit, qui m'a vu a vu le Père. Alors, toi aussi, si tu parviens à cette perfection-là, grâce à l'action du Saint-Esprit, tu pourras dire, mais qui m'a vu a vu Jésus. Ce n'est pas prétentieux. Voilà. Donc, nous finalisons ici la spiritualité des lettres de l'alphabet hébreu. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.